Ben, écoute, la seule chose que je peux faire pour la famille de Karine à l'heure actuelle, c'est leur apporter un petit peu de paix en leur transmettant les informations comme quoi elle est au paradis, comme quoi elle est en paix, comme quoi elle ne souffre plus. Donc voilà, par contre, oui, vous lui manquez énormément, ses enfants lui manquent, elle s'inquiète pour ses enfants. J'essaye de vous faire comprendre depuis maintenant 6 ans que la mort n'est pas une fin en soi. C'est un recommencement dans l'au-delà. Karine est toujours vivante, mais pas dans le monde des vivants, dans le monde des morts. Donc oui, elle est toujours présente, oui, elle vous entend. Par contre, vous ne pouvez pas communiquer avec elle, mais elle vous entend. Voilà. Oui, elle regrette de ne pas en avoir parlé à ses proches de ce qu'elle vivait, de ne pas avoir quitté son mari avant. Ah, ça, le codex, c'est sûr et certain. Donc voilà. Donc du coup, la seule chose que je peux faire à l'heure actuelle, en attendant le tribunal et le procès, c'est d'apporter un petit peu de paix à la famille en leur transmettant des informations qu'elle ne pourrait pas avoir sans Dieu, le codex et moi. Voilà. Donc du coup, ben, écoute, frère. Tu me dis, c'est bien ce que tu fais, c'est ma mission. Voilà, je l'ai fait en permanence. Lola, je vous l'ai fait aussi avec Lola. Avec toutes les victimes que je me suis occupée et de l'enquête et de prévenir. Donc voilà, après, ce sont que des âmes innocentes, donc elles vont toutes au paradis. Toutes nos sœurs qui sont décédées dans les 3 dernières années, même plus, sont toutes allées au paradis. Quand tu es victime d'un monstre, tu as un raccourci qui s'appelle l'aller simple et direct au paradis sans passer par la case de jugement. Quand tu subis un meurtre, tu n'as pas de jugement, puisque ce n'était pas l'heure de ta mort. Donc du coup, c'est ton âme qui va définir quel raccourci tu vas prendre, paradis ou enfer, selon au moment de ta mort, quelle était ton âme, bonne ou mauvaise. Karine est allée direct au paradis. Voilà. C'était une bonne personne à sa mort. Elle a pris le raccourci direct pour le paradis. Voilà ce que c'est. Quand vous voyez marqué, il existe un raccourci pour aller au paradis. Oui, se faire assassiner. Après, je ne souhaite pas aux gens de souhaiter se faire assassiner pour aller au paradis. Mais après, voilà, quand tu es victime d'un crime, victime d'un diable, victime d'un monstre, eh ben, tu n'as pas de jugement. Tu prends directement un raccourci qui s'appelle raccourci paradis ou pas, au raccourci enfer. Si ton âme était impure, quand tu es mort assassiné, ton âme part directement en enfer. Si ton âme était pure au moment où tu te fais assassiner, ton âme part directement au paradis. Et c'est très clair, hein, l'équilibre du paradis et des enfers, du bien et du mal, y est là-bas dans l'autre monde. C'est dans notre monde qu'on est incapable de le mettre en place et de le comprendre. Donc là, oui, elle est en paix. Elle a obtenu le repos éternel, hein, sans avoir besoin de se faire juger. La balance n'a pas fonctionné pour elle. Ça ne sert à rien. Elle était morte au moment de sa mort. Son âme était pure. Elle est directement allée au paradis. Voilà. D'ailleurs, il y avait ses proches qui l'ont attendue. Oui, je sais, mon Dieu. Ben, écoute, toi, tu peux communiquer avec elle. Moi, je le peux qu'en allant dans la matrice, mais c'est émotionnellement insupportable pour un humain. Et t'imagines, ben oui. Mais de toute façon, tu te trouves déjà dans la matrice. Ok. Oh ouais, c'est bon, j'ai retenu l'information. Je m'en occupe après. Donc voilà, donc pour ceux qui m'ont posé la question. C'est quoi ce raccourci pour aller au paradis? Ben, l'homicide. Être victime d'homicide, être victime d'un crime. Donc voilà, de s'être fait tuer par un criminel. Ça t'envoie directement au paradis si au moment de ta mort, ton âme était pure.
Si ton âme était impure au moment de ta mort, c'est directement raccourci pour aller aux enfers. Voilà. Et là, la seule chose que je peux faire pour la famille de Karine, c'est les rassurer. Elle va bien. Elle ne souffre plus. Elle est en paix. Elle vous attend. Prenez bien soin de ses proches. Donc voilà. Elle souhaite qu'il soit justement condamné. Et elle aime très très fort ses enfants, comme elle ne pourra plus leur dire. Donc voilà. Oui, c'est bon, merci mon Dieu. Bon, je vais essayer de ne pas pleurer encore. Ah, je sais. C'est bon, je vais m'en occuper immédiatement, je t'ai dit. Non, mais le prendre pouvoir, ça veut dire prendre pitié de nous, quoi. Je ne suis pas prête à prendre le pouvoir à votre place. Oui, mes musulmans, oui. Putain, mais t'es la Fatima, mais t'es aussi la Sainte Vierge, mais t'es la déesse, t'es la reine en fait de tous les croyants. Alléluia! Et des non-croyants aussi, de tous les humains. Et honnêtement, pour répondre à ta question, ben, ça me fait une belle jambe. Ça te fait quoi d'être l'épouse de Dieu et d'être la femme la plus importante au monde? T'es intouchable. Non, je suis touchable comme tout le monde sur cette planète. Je suis mortelle. Déjà pour commencer. De deux, honnêtement, ça me fait une belle jambe. Qu'est-ce que ça peut bien me faire d'être... Je me sens pas plus importante, frère. Hein? Que tu m'appelles Fatima, que tu m'appelles Sainte Marie, que tu m'appelles Audrey, Lily, Tassette, peu importe, je resterai la même. Voilà, une fille qui ne veut pas de ce putain de pouvoir. Donc ne croyez pas que je vais prendre pouvoir sur vous ou je sais pas quoi. Non, non, absolument pas. J'en suis pas capable. D'avoir le comportement de nos dirigeants sur vos vies, je suis pas capable de ça, moi. Donc ne me demandez pas de prendre pouvoir et de laisser ce système en place avec... Non, non, il faut tout changer. Si vous n'êtes pas prêt à tout changer, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et j'adore, j'adore en plus mon imam qui s'y met. Alors en 6 ans de mission, pas une seule fois, il m'a dit de prendre pouvoir. Là, il me dit, il faut que tu prennes pouvoir, ils s'en sortiront jamais. Merci. Comme si je ne le savais pas, frère. Après, faut. Oh, on me demande quand même de prendre le pouvoir sur la France et sur le monde. Ça veut dire de réclamer le trône et de me présenter au monde entier étant la reine de l'humanité. Vous vous imaginez le bordel? Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on me demande de faire? Mais en vérité, je crois que je suis pas capable de faire ça. Je vous dis la vérité. De toute façon, j'ai pas le droit de mentir. Je suis Lucifer. Putain, je suis baisée. Oui, je sais, mon Dieu, j'ai fait vœu de chasteté. Mais je suis baisée quand même, dans tous les sens du terme et par tous les côtés. Je parle bien. Je suis en train de me mettre en colère. Parce que je sais que si je prends le pouvoir, je résous tous les problèmes. Mais c'est pas la solution. C'est pas ce qu'il faut à l'humanité en réalité. C'est ce que l'humanité attend, mais c'est ce qu'il lui faut pas. Il faut qu'elle se réveille, que les humains soient aux commandes de ce monde et pas une petite minorité d'êtres humains qui sont sélectionnés que pour ça. Le peuple est nécessaire dans la gestion d'un pays. On ne peut pas déléguer tous les pouvoirs à un gouvernement. On doit garder quand même un droit de réserve. Les Français et tous les peuples du monde n'ont pas le droit de ce droit de réserve. Ils n'ont pas le droit de décider d'aller contre le gouvernement si le gouvernement, ce qu'il leur propose, ne leur convient pas. À un moment donné, si tu élis un gouvernement, c'est pour qu'il te représente. Si tu te sens plus représenté, tu as le droit de retirer ta confiance. Même ça, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont même pas le droit des référendums. La démocratie est entachée déjà dans les pays qui ne sont pas démocratiques. Mais quand c'est en plus les pays qui sont censés être les plus démocratiques du monde
Et les plus humanistes qui sont incapables de gérer leur société, c'est le début de l'effondrement. Et ils n'en ont pas pris conscience. Mais mon Dieu, je peux pas régler tous les problèmes du monde à moi toute seule. J'ai besoin de toute l'humanité en réalité pour ça. Et tous ceux qui sont bons, tous ceux qui veulent changer le monde. Ceux qui vous veulent foutre la merde, ça sera une minorité. Ceux-là, on saura les corriger et les faire rentrer dans le droit chemin quand il faudra. On sera en supériorité numérique. Et pour l'instant, ils ne sont pas prêts à agir. Ni le peuple, ni les oppositions, ni l'intersyndicat, ni même le gouvernement. Et qu'est-ce que tu veux faire quand personne n'agit, que tout le monde parle, mais que personne n'agisse? Ils ne sont pas capables d'agir. Oui, mais il faut encore que les Français arrêtent de faire les cons et votent mon RN. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Il y en a qui me disent, mais le RN au pouvoir, ça va être le chaos. Non, ça fait 6 ans que je m'occupe avec Marine de remettre de l'ordre dans le parti RN. Ça n'a rien à voir avec ce qui était du Front National, complètement à l'opposé. Il y en a qui me disent, mais Marine Le Pen... Non, mais regarde, ils me disent, Marine Le Pen dit qu'il faut continuer de garder un contact avec Poutine quand Jordan Bardella, lui, pense le contraire. Mais c'est Bardella qui est dans l'erreur. Il faut garder quand même une ouverture de dialogue avec un pays ennemi, toujours. Surtout qu'on est plus nombreux. Ils sont combien du côté de Poutine? On est combien du côté de l'Ukraine? Si on regarde, on est en supériorité numérique. Il faut garder le dialogue. Garder le dialogue, c'est pas accepter tout ce que Poutine va te dire. Non, c'est garder un contact. Il faut garder ce dialogue, c'est nécessaire. Il va falloir que cette guerre s'arrête au bout d'un moment. Et il va falloir remettre de l'ordre dans tout ce bordel. Va falloir que tous les pays d'Union européenne aident l'Ukraine à se reconstruire et la Russie va devoir y participer. Elle se trouve en Europe. Mais l'erreur qu'ont fait les Européens, c'est de ne pas faire entrer Poutine dans l'Union européenne. Le réel problème, il est là. Ils l'ont mis à l'écart. Ils ont vu en Poutine un danger. Au lieu de faire de son ennemi son ami et d'essayer au final de l'avoir dans la poche, ils ont fait quoi? Ils sont restés sur leur garde en l'offensant en permanence. Mais il est sur le territoire d'Europe. Il est en Europe, Poutine. La Russie se trouve en Europe. Pourquoi ça ne fait pas partie de l'Union européenne alors qu'ils se sont battus aux côtés? À un moment donné, c'est ça le problème. Mais parce qu'on ne veut pas faire entrer la Russie dans l'OTAN, on ne veut pas faire entrer la Russie dans l'Union européenne. Donc en fait, la Russie s'est battue à nos côtés, elle a perdu des hommes, et il n'y a aucune reconnaissance de ce côté des autres Européens. Donc au final, c'est ça qui a posé problème. Voilà le début de la colère de Poutine. Ça vient de là. Quand il a été au pouvoir et qu'on lui a fait comprendre qu'il ne serait jamais dans l'Union européenne, jamais dans l'OTAN, on lui a fait comprendre en fait qu'il était l'exclu de l'Europe. Eh ben oui, et ça a nourri une colère contre les Européens. Eh, Poutine, c'était quoi? Il s'est senti... pas Poutine, oui. Hitler, merci. Hitler, c'était quoi le problème? Un nationaliste d'extrême droite qui a vu des juifs venir en masse dans son pays. Immigration, mais complètement incontrôlée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu tous les exterminer pour exterminer la menace. Sauf qu'au final, il a tout mélangé, il est allé trop loin dans ses décisions. Donc voilà, il aurait pu prendre le pouvoir et dire « Tous les juifs hors du pays, vous rentrez chez vous à Jérusalem ». Il aurait eu le droit de faire ça. Mais ce qu'il a fait, il a voulu exterminer ce peuple. Parce que ça a nourri une haine. Voilà ce qui est en train de se passer. Parce que tout simplement, on a refusé à Poutine l'Union européenne et pourtant on veut faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne. Ça fait un moment qu'on en parle. Pareil pour l'OTAN. Au final, on fait bien comprendre à Poutine qu'il est en trop. Et ça passe pas. Voilà.
Et voilà comment on nourrit des ennemis. Ah, ils ont nourri la haine de Poutine depuis sa prise de pouvoir. Mais l'erreur est là. Ça n'a rien à voir avec les nazis ou quoi que ce soit. C'est que lui, pour lui, il n'y a pas eu de reconnaissance envers la Russie des autres peuples européens. On s'est tous unis entre nous, mais on les a laissés, eux, exclus. Et pourtant, ils ont eu des pertes aussi. C'est ça qui pose problème. C'est qu'aussi, regarde, il y a une fête en Russie, une fête en France. Pourquoi il n'y a pas la même fête dans tous les pays du monde en même temps qui se sont battus justement contre Hitler? Pourquoi c'est pas une fête qui nous lie tous? Si on s'est battu dans ce combat ensemble pour la libération, alors toutes les fêtes de libération doivent être faites le même jour dans tous les pays. Ça, c'est l'union. Il n'y a pas d'union. C'est ce que j'essaye de faire comprendre depuis un moment à l'Union européenne. Il n'y a pas d'union. Il y a une structure qui veut gouverner au-dessus des nations, mais il n'y a pas d'union des nations. Il n'y a pas d'union européenne. L'union des nations qu'ils ont fait les États-Unis, eux ont réussi à s'unir. Nous, on en a été incapables. On ne l'a toujours pas fait. Mais tous les peuples européens doivent être unis, donc voilà, dans une alliance de paix. Ça n'a jamais été fait en réalité. Et on a fait rentrer dans l'Union européenne des pays qui n'étaient pas européens en plus, hein? Donc on ne fait pas rentrer un pays européen comme la Russie, mais on fait rentrer un autre pays qui, lui, n'a rien à voir avec tout ça. Mais ça crée des haines, ça nourrit une haine. Et voilà, ça a gangréné jusqu'au moment où ça a explosé. Eh bien, en 2018, donc voilà, ça, Poutine a serré, complet. Mais parce que les Ukrainiens sont attaqués des Russes sur le territoire ukrainien. C'est pour ça que Poutine, il a serré. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et quand en plus Zelensky a détruit les accords de paix, eh ben Poutine, pourquoi tu voulais qu'il les respecte? Ça a été aussi une grosse erreur de Zelensky, de ne pas respecter les accords de paix qui avaient été signés. Et ça sent pas. Voilà, quand tu fais ça sent pas bon. Merci. Un accord de paix, s'il a été mis en place, c'est pour être respecté. Si tu veux renégocier cet accord, c'est entre les pays qui ont signé ces accords de les renégocier. Mais on continue de respecter ces accords tant que les accords n'ont pas été modifiés. Un accord de paix comme l'accord de Dublin. Si au final ça convient pas, il faut le remodifier parce que ça a été signé à une époque et la situation actuelle n'est pas la même. Voilà, ça veut dire que tu dis, je ne continue plus sur cet accord. Il va falloir en modifier les termes. Le pays qui doit modifier les termes avec toi doit accepter quand même tes décisions. Tout en gardant aussi un intérêt à parts égales. Voilà. C'est ça, trancher avec l'épée d'Excalibur. Tu tranches en deux. À parts égales. Moitié-moitié. Voilà. Il faut que chacun y trouve son compte. Ben, je sais, un accord de paix, si les deux parties y trouvent son compte, l'accord peut être signé. Quand une des deux parties se sent délestée dans cet accord, techniquement, il y a un désaccord. Eh ben oui, c'est la logique. Mais ils sont pas logiques. Ils savent pas signer des accords. Ils savent pas pour parler. Les pourparlers pirates des Caraïbes. Non, mais c'est ça, c'est un pourparler, c'est ça, c'est une table ronde. À un moment donné, les chefs d'État doivent savoir se mettre autour d'une table et de dialoguer pour trouver des solutions. Eh ben oui, ils peuvent pas tout avoir, mais ils doivent obtenir quand même quelque chose, chacun les deux parties. Et dans ces cas-là, tu peux enterrer l'âge de guerre, puisque tout le monde est satisfait plus ou moins. Tu peux pas contenter tout le monde, mais tu peux arriver. Non, tu peux pas satisfaire tout le monde, mais tu peux arriver à contenter le monde. Voilà. Donc, s'ils arrivent à se contenter de l'accord à parts égales,
Techniquement, ça passe. Donc, c'est normal que Marine Le Pen dise qu'il ne faut pas arrêter le pourparler avec Poutine. Il faut quand même garder une communication. Elle n'a jamais dit des liens d'amitié. Elle a toujours dit ce qu'a fait Poutine d'attaquer l'Ukraine de cette manière, c'est pas acceptable. Voilà, elle a dit. On ne peut pas légitimer la mort d'êtres humains pour quelques morceaux de terrain, quoi. Mais par contre, elle a raison de dire qu'il ne faut pas arrêter la communication avec la Russie parce que les Russes ne sont pas responsables des décisions prises par le gouvernement. Donc, il faut garder quand même un contact avec des Russes. Ben, les Russes, comme les Ukrainiens, sont au milieu de tout ça, hein. Puisque c'est une guerre contre des États. C'est deux États qui s'affrontent. C'est pas deux nations. Eh ben oui, c'est deux États, mais pas deux nations. La nation russe et la nation ukrainienne ne s'attaquent pas. C'est le gouvernement russe et le gouvernement ukrainien qui s'attaquent. C'est pour ça qu'il ne faut pas couper tout contact avec la Russie. C'est pas avec Poutine, c'est avec la Russie. On doit garder un contact avec la Russie. Donc, au final, tu dois garder un certain contact diplomatique avec Poutine. Sans forcément lui faire « Oh, mon pote, ça va ?» Non, c'est pas ton copain. Tu veux qu'il arrête cette guerre? Tu veux que les Zelensky aussi soient autour d'une table et signent un accord de paix? Pour ça, il va falloir quand même garder une communication. Ah, mais moi, je réunirai tous les dirigeants d'Europe, je les mettrai autour d'une table, Poutine, Zelensky y compris, et maintenant, on trouve une solution tous ensemble. Les États-Unis, vous vous démerdez, vous ne venez pas chez nous, vous restez chez vous, c'est pas votre problème, c'est notre territoire. Le territoire européen est capable de se réunir, tous ensemble, s'asseoir autour d'une table, et trouver une porte de sortie à cela. Macron, c'est ça que je te disais de faire, que tu as été incapable de faire. Ma Marine Le Pen est capable de faire. Je la prépare depuis 6 ans à cela. Je vous avais dit de voter Marine, de pas voter Macron. Vous n'avez pas écouté. Voilà, vous lui avez donné la majorité à Marine Le Pen à l'Assemblée, hein, au final de toutes les oppositions. Ce qui prouve qu'au final, vous avez fait les cons. Elle aurait dû avoir la majorité totale au RN. Ce qui empêchait tous les autres partis de faire de la merde en réalité. Eh bien oui, le RN n'a jamais été au pouvoir. On ne peut pas le tenir responsable de quoi que ce soit dans la société. Peut-être que leurs idées à une époque, dont voilà révolue à l'heure d'aujourd'hui, eh bien oui, regardez, Marine Le Pen est capable de parler à tous les électorats. Est-ce qu'elle en était capable il y a 6 ans en arrière? Templière du Saint-Graal, elle allait rentrer en mission. Mélenchon, Macron, Ciotti... Elle, elle est rentrée en mission. Mon Dupont-Aignan, toi aussi, mon frère, t'es rentré en mission. Hein. Depuis le départ, impeccable. Il y en a qui n'entendent rien. Voilà. Eh bien, vous voulez pas entendre, continuer de faire erreur sur erreur. Le peuple vous dit, on veut que vous travaillez ensemble. On en a marre de votre putain de division. Trouvez des solutions ensemble. Écoutez-nous, entendez-nous et faites ce qu'on vous demande. Voilà ce que vous disent le peuple, vous les élus, vous les représentants de la nation. Occupez-vous de nos problèmes et arrêtez de passer votre temps à vous chamailler, à vous disputer. On dirait des gamins dans une cour d'école. Vous êtes la honte de la nation. Vous vous étonnez de vous faire agresser. Mais parce que vous êtes une honte de la nation, quand on a un service public comme ça, vous attendez quoi des Français qui vous respectent? Vous êtes incapable de vous faire respecter. À un moment donné, le respect, ça se mérite. Hé, mon frère, voilà pourquoi je suis l'épouse de Dieu. Et voilà pourquoi je ne prendrai pas pouvoir sur vous. Je vous respecte. Et vous me respectez en retour. Voilà. C'est comme ça que ça marche. À un moment donné, on me dit, mais comment tu fais pour comprendre autant le peuple? Mais je vis au milieu de vous, moi! Moi, je suis pas un macroniste, je suis pas une élite, je vis comme vous. Dans la société, j'ai les mêmes problèmes que vous. Eux, ce qui vous arrive, ça ne les touche que très rarement.
ils sont pas dans vos situations financières. Leur emploi leur permet de gagner suffisamment d'argent pour être tranquilles. Eux, ils auront pas de problème de retraite en réalité. Regardez les belles voitures qu'ils ont, regardez les belles maisons qu'ils ont. Est-ce que vous vivez dans la même, de la même façon? Moi, je vis comme vous. Voilà. Je suis une fille du peuple. Je suis pas une fille d'État. Voilà peut-être aussi pourquoi je ne veux pas du pouvoir. Moi, je suis bien dans le peuple, moi. Moi, je veux pas être au sommet. On m'y met de force au sommet. C'est grave quand même, vous imaginez? Je ne veux pas du pouvoir et on a donné le pouvoir de ce monde à la seule personne qui en veut vraiment pas. Non mais franchement. Ah, tu confirmes. De toute la planète, t'es la seule qui en voudrait pas. À ce point-là? Ah, chez moi, c'est épidermique. Ok. Oui, non, mais oui, chaque fois que je pense au pouvoir, être à la tête de l'État, chaque fois, c'est physique, c'est épidermique, t'as raison. Non, mais c'est pas pour moi tout ce bordel. Je suis une fille très simple, moi, j'ai pas des ambitions démesurées. Non, moi, c'est pour le peuple, pas pour moi. Mais moi, ma vie, elle me convient, c'est ça le truc. Moi, je suis heureuse dans ma vie. Je prends tout comme une épreuve. Donc, du coup, je suis jamais malheureuse. Et je suis malheureuse sans être heureuse. Et heureuse sans être malheureuse. C'est bizarre. Je me contente de ma vie. Donc, voilà, je suis bien comme je suis. Ah non, mais je me verrai pas dans le journal de 20h. Ah non. Non, non, ce que fait Macron au journal de 20h, j'en suis strictement incapable. Par contre, faire transmettre et laisser quelqu'un d'autre le faire à ma place parce que moi, je bosse en interne et je laisse les autres personnes bosser publiquement, dans ces cas-là, c'est différent. Mais pour ça, il faut que le peuple accepte de récupérer le trône, qu'ils acceptent de récupérer le pouvoir. Ouais, ben écoute. Et je sais que je suis la grâce divine. La garce divine aussi, quand je m'y mets. Ouais, mais. Oh putain, en plus, les. Oh! Les religieux qui sont en train de comprendre que la Fatima et la Sainte Vierge Marie sont la même personne. Saint Graal, eh ben oui, mais ils ont toujours pas compris ce que c'est ma lignée. Et de toute façon, après moi, ça s'arrête. Comme ça, c'est réglé. S'ils ont pas compris, eh ben, c'est pas grave. Il y aura plus de Saint Graal, comme ça, on n'en parle plus. Non, mes enfants n'ont pas été faits avec le roi du temple ou avec un roi, donc techniquement, il peut pas avoir de Saint Graal. Voilà. Eh, c'était avant de savoir que j'étais Saint Graal, hein, que j'ai fait mes deux gosses. Hein. Ah mais maintenant que je sais qui je suis et ce que je suis, c'est hors de question. C'est pour ça que j'ai fait vœu de chasteté. Hors de question que je fasse l'amour avec un homme. Je vais mettre au monde le prochain Saint Graal. C'est mort, laisse tomber. Surtout qu'en plus, il y a des filles dans des familles royales. Si j'ai un garçon, il y a mariage, la lignée continue et la lignée royale de l'autre pays, au final, ne meurt pas. Eh ben oui. Ouais, mais c'est hors de question. Je me vois pas. Non, 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 c'est pas ça. De toute façon, ça servirait à rien. Si moi j'accomplis pas la mission, à quoi ça sert au final d'en refaire un? Personne l'accomplira. Si c'est pas moi, personne n'y arrivera. Ah ben ça tu l'as bien compris, merci. Ah d'ailleurs ma sœur, avant de quitter, tu
tu me dis, ma sœur, qu'est-ce qui se passe avec les orages? Qu'est-ce que tu fous? Eh bien, écoute, ma météo France, dis-moi bien, ma sœur, ça te fait penser à quoi, ce genre d'orage? En Afrique, il n'y a pas ce qu'on appelle la mousson? C'est des mini-moussons, des mini-déluges. Je vous ai dit, regardez les températures, regardez le taux d'hydrométrie. Eh bien oui, ces pluies empêchent une canicule, empêchent les fortes chaleurs. Ça permet de tenir un taux d'hydrométrie correct. Alors oui, par contre, c'est des torrents d'eau dans certains cas. Malheureusement, ça, c'est pas très contrôlable. Tu lances des mini-moussons. Donc techniquement, une mini-mousson, c'est énormément d'eau en très peu de temps. Voilà, et oui, donc c'est très peu contrôlable. Mais ça permet d'éviter les fortes canicules. Ça permet d'éviter à la nature de se dessécher. Donc ça permet aussi d'éviter les incendies. Puisque du coup, vu qu'il pleut un peu partout en France et de manière très précipitée et très... Je sais, j'y vais pas avec le dos de la cuillère, mais je vous ai dit, il va falloir remplir les nappes phréatiques. Donc tant que les nappes phréatiques ne seront pas remplies, ça va continuer, je suis désolée. Ah là, ma sœur, qu'est-ce qui se passe? Notre France est en train de mourir. La nature est en train d'asphyxier. Si tu y mets pas d'une hydrométrie suffisante, eh ben oui. Vous voulez que j'enlève le sort? J'enlève le sort alchimique que j'ai mis en place, vous allez voir la température et la canicule que vous allez avoir en moins de 3 jours. Et là, vous allez pleurer. Vous allez avoir sécheresse, incendie, vous allez avoir aussi, eh ben oui, des problèmes de sécheresse et de restriction d'eau. Vous voulez ça pour cet été? Je suis en sorte que ça n'arrive pas. Vous n'aurez ni restriction, ni forte canicule. Donc voilà, parce que oui, il y a un trou d'hydrométrie qui va être mis à niveau en permanence. Soit sinon, je le retire et vous avez la canicule et vous allez comprendre ce que c'est la terre brûlée. À un moment donné, c'est aussi pour les producteurs que je fais ça. Oui, certes, les inondations, ça peut faire des dégâts. Mais pour la plupart des plantations, elles en ont besoin de l'eau. Et vu qu'il faut faire des économies d'eau, puisque sinon vous allez être en restriction, je suis obligée de procéder comme ça. Alors par contre, oui, c'est des grosses quantités d'eau, mais très localisées et qui restent pas longtemps. C'est fait pour, vous inquiétez pas, le sort sait exactement comment se déplacer, je lui ai donné les codes. Donc ma sœur, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, il y a des inondations, il va falloir dédommager. Mais si vous m'aurez écouté depuis 6 ans, on n'en serait pas à devoir prendre des décisions comme ça. Ça fait 6 ans que je vous dis quoi faire pour le climat, vous n'écoutez pas. 6 ans que je vous fais des alertes en vous disant attention avec ce qui va vous tomber dans la gueule, vous m'écoutez pas. À un moment donné, vous avez l'Afrique qui est en train de s'effondrer, l'Asie aussi, l'Amérique aussi, vous avez des changements climatiques un peu partout, vous n'avez pas compris ce qui se passe. Il va falloir se réveiller un petit peu. Je suis obligée de faire comme ça. Voilà. Et en même temps, ça limite les morts d'enfants, les morts de personnes âgées par la chaleur. Vous ne la subissez pas, la chaleur, là. Eh ben oui, si j'enlève le sort, vous allez voir la chaleur que vous avez en réalité, sans toutes ces pluies qui font le tour de France pour pouvoir tenir un taux d'hydrométrie constant. Quand je te demande, ma sœur, de m'envoyer tous les jours le taux d'hydrométrie, donc voilà, et les données des précipitations, c'est pour une bonne raison. Voilà. Alors oui, je peux pas trop. On va dire que c'est comme des mini-moussons, des mini-déluges. C'est fait pour pleuvoir énormément, mais très peu de temps, et se déplacer et aller exactement où il y a besoin d'eau. Ça recherche la sécheresse. Voilà comment fonctionne le sort alchimique que j'ai mis en place. Oui, je suis une sorcière, je vous rappelle. Oh putain, ça prend. Oui, je prends conscience de ce que je suis. Merci, mon Dieu. Mon codex, je vous déteste. Ben ouais, je suis abracadabra, mais c'est pas ce qu'ils pensent.
C'est un code alchimique, abracadabra. Ben ouais, ils sont cons. C'est des numéros en vérité. Abracadabra, c'est que des codes en numéros. Tu changes chaque lettre au numéro azerty associé. A, B, R, A, C, A, c'est toujours les... C'est... Ben oui, c'est que des nombres. Mais c'est caché sous des lettres. Ils ont toujours pas compris comment marche la chimie. Chaque symbole correspond à une lettre de 1 à 0. Même chose pour les lettres. Les voyelles et les consonnes sont toujours associées à une lettre, à un symbole et à un chiffre. Ils n'ont toujours pas compris ça. Il y a une triquetra. Voilà comment on contrôle le climat. Il faut savoir comment faire. Et ça se contrôle par le chant et la danse de la pluie. Comment les Indiens arrivaient à faire pleuvoir? Parce que le chaman connaissait la sonorité vocale, la vocalise pour pouvoir justement activer l'alchimie. D'ailleurs, ma soeur, tu vas voir, regarde ce qui va se passer dans 1 heure. Vas-y, doucement. T'inquiète, c'est contrôlé. Elle va halluciner une fois de plus, mais bon, à force, elle commence à avoir l'habitude.
Voilà, ça devrait suffire. Regarde tes écrans. Sur ce, à plus. J'ai fait ma garce. Ben, au moins comme ça, ils sauront d'où ça vient.
Set to